3 semaines environ, 2 semaines où vraiment sac à dos, je suis dans la pampa, dans un pays un peu reculé où je vais pouvoir dormir chez l'habitant, marcher des kilomètres et des kilomètres pour découvrir des paysages que je ne connais pas. Et par contre, cerise sur le gâteau, terminée avec une petite semaine à New York, histoire de me réancrer avec le béton que j'adore. Un voyage parfait pour moi, bah, ce serait partir dans un autre pays, rencontrer des gens, rencontrer une nouvelle culture. Un séminaire, genre avec tout le monde, au Japon. Et vraiment, dans cette ambiance-là, japonaise, pourquoi pas faire des sessions d'arcade, etc. Cette ambiance-là, des années 90. Les vacances de mes rêves, c'est juste de passer du temps au ski et d'être à la montagne dans un chalet, au bord d'une falaise, à faire du ski avec les potes. La première destination, l'Argentine, qui est ma deuxième maison. Partir en sac à dos et faire whoop du nord au sud et partir en Thaïlande pour avoir une belle vue sur la plage et surtout pour bien manger. Vacances de rêve, la plage, la montagne. La plage pour aller surfer, la montagne pour aller se balader avec la famille, des copains. Simple, efficace, dans la nature. Pas d'écran, surtout pas d'écran. Moi, je pense que j'aimerais bien aller dans un endroit où on peut voir des ours, du coup, probablement au Canada. Ce serait de partir en Thaïlande et de visiter la Thaïlande. C'est des vacances au bord de la mer ou à la montagne avec plein de temps pour coder, tranquille, peinard. Ce serait vraiment cool.